Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 8 juin 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix du haras de Jardy. Première course de la Réunion 1 où 15 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce handicap divisé de deuxième épreuve concourue sur la distance des 2400 mètres de la piste Clodoaldienne, nous pourrions bien assister à une arrivée particulièrement serrée. Beaucoup de chevaux se tiennent de très près en valeur et trouver la bonne combinaison du quintet ne sera pas si simple. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Shamsabad. Ce pensionnaire de Didier et Pauline Prodhomme enchaîne bien depuis plusieurs semaines désormais. Confirmé avec l'aide de Michael Barzalona, il sera une nouvelle fois monté par un pilote très en forme et avec le 5 dans les stalles, il est difficile de l'imaginer sortir des trois premiers ici. En deuxième choix, le numéro 2, Courking. Il vient de crever l'écran lors d'un quintet plus légèrement plus relevé disputé sur l'hippodrome de Longchamp. Retrouvant Christophe Soumillon aux commandes, il peut logiquement espérer le succès aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Carpio. Francis Graffard l'aime bien et pense qu'il est encore tout neuf à l'âge de 5 ans. Si ce fils de Lope de Vega voyage bien durant le parcours, il peut lui aussi monter sur la plus haute marche du podium. En quatrième position viendra le numéro 10, Neishan. Après deux tentatives extrêmement mauvaises en début de saison, notamment au mois d'avril, des catégories, pardon, à réclamer, il a fait le show dernièrement pour son retour dans les Quintés Plus et peut compter sur l'aide d'Aurélien Lemaître pour briller. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Baden Rocks. Il aura des œillères pleines cette fois-ci et il faut donc le retenir en très haut rang. Au sixième rang, justement, sera retenue la candidature du numéro 16, Agua. François Rohaud l'aime bien et fait appel au service de Stéphane Pasquier dans l'espoir de terminer à l'une des 5 premières places. En avant-dernier choix, le numéro 12, Wood City. Fabrice Vermeulen ne fait pas appel au service d'Eddy Ardoin sans raison. Théoriquement, en valeur pure, il peut conclure dans les 5. Pour clôturer notre pronostic, retenons le numéro 11, Salossin. Christophe Lotoux l'aime bien et pense qu'en pareille société, il est largement capable d'accrocher un très bon lot à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 6, Le Hoyo, qui partira avec la confiance de Florent Monnier, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, lors du Qatar Prix du Jockey Club, Turf Sélection réalise le bel exploit d'indiquer un tiercé ordre affichant un rapport de 784 € tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.